En gros, tu parles de, en gros, de shoot, hein, quand même. Au début, oui. Non, non, mais très bien. Et tu arrives à... Tu critiques une position entre un point de vue typifiant, réflexif, enfin, non, et un point de vue anté-prédicatif, en quelque sorte. Et pour toi, il manque quelque chose entre les deux. Bon, tu veux développer. Par exemple, je dis que là, s'il y avait déjà ça, ce serait beaucoup mieux. Voilà, voilà. Mais en gros, ça définit un programme de recherche, ça. C'est-à-dire, et sortir de cette position, de ce dualisme, nous construire cette anthropologie sémiotique qui traiterait adéquatement du flux de sémiotisation sans trop typifier, ou en typifiant quand il le faut, dans des et en lien avec une modalité. Alors une partie de, c'était presque la première, tu as raison, c'est presque la première partie de l'exposé, c'est de dire, je t'ajoute une phrase, retiens ce que tu veux dire, c'était juste pour dire, c'est pour ça qu'à un moment j'ai dit, il faudrait croiser Schultz et Merleau-Ponty, et y ajouter quelques couches que les uns et les autres ici, nous avons jugé bon de tartiner, bon, et donc on obtiendrait, en restant dans une problématique qui n'est pas en rupture violente, mais quand même qui va même plus loin, je trouve, dans un quelque chose dans lequel on peut introduire, soit par Schultz si on veut que ce soit d'emblée social, soit par Merleau-Ponty si on veut revenir au sentir et à la sollicitation du sentir, à l'intersubjectivité, etc. Voilà. Donc c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Donc ça fait un corps de travail, un terrain, une sorte de paysage. Maintenant, tu disais que... Ça me paraît. Enfin, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je prends du côté par Schultz, parce qu'il y a la socialité. Oui. Donc, je comprends très bien... L'idée. Mais alors, c'est le second temps. Voilà. Parce que là, en gros, on est avec Schultz, Merleau-Ponty, mais surtout Schultz, dans une phénoménologie existentielle. Oui, absolument. C'est le grand... Le parti avec Schultz, l'intersubjectivité transcendantale renversée, renversée. Oui, très constructive, constructiviste chez Schultz. Voilà. Oui, ok. D'accord, ça je comprends. Mais tu, de l'autre dans côté. Un second temps, tu dis, mais en fait, ça ne va pas. Enfin, dans cette pensée, ça ne va pas. Attends, ça rencontre quelque chose. Oui, ça rencontre, mais il y a autre chose. Et là, tu changes complètement. Je suis d'accord, l'articulation était très bonne. Phénoménologie transcendantale. Et dans la phénoménologie transcendantale, Lévinas est un exemple typique, et tu prends Salansky comme, au fond, une version, je ne sais pas trop ce qu'est cette version, elle est assez curieuse, mais enfin, une version lévinassienne, sémiotisante, un mélange. Mais là, on est... Une philosophie du sens, inspirée, donc, qui est comme une sorte de projection dans ce domaine-là. Et là, ce qui est central, c'est l'interpellation, la demande, la sollicitation. Voilà, la sollicitation. Et le corps de prescription qui va avec. Donc, le corps de prescription. D'accord. Et là, on est dans quelque chose qui, pour moi, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, chez Schultz, il n'y a pas la dimension transcendantale. Mais il y a la dimension normative, ça s'appelle normativité. Non, il n'en veut pas. Alors, comment Schultz ne veut pas la normativité? Non, de la normativité, mais pas de la transcendance. Oui, mais on est bien d'accord. Voilà. Attends, on est d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il y a deux vocabulaires et deux... Est-ce que toi, tu vas de ce côté-là, oui. On n'attend pas particulièrement, non. Parce que tu te dis, il y a quelque chose à reprendre, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est-à-dire en particulier la modalité interpellative, et en quelque sorte, ta démarche, c'est de la réexistentialiser pour la réintroduire dans l'anthropologie sémiotique. Ou alors d'être un peu du côté Salansky, de croire dans cette phénoménologie transcendantale qui ne peut pas nous fournir de solution à notre problème. Non, mais ce qui est, c'est que tu as une partie de... D'accord, je te réponds. Voilà, c'est un peu ça ma question. Bon, d'abord Salansky, si tu veux. Bon, moi, d'abord, je trouve son dispositif mérite d'être lu, absolument. Et donc, il y a quelque chose... Non, mais bon, il est très... très exposé avec un grand luxe de détails, enfin, etc. L'idée, il n'y a aucun problème, je veux dire, traduit dans un langage plus prosaïque, si tu veux, beaucoup de ces idées-là, personne ne les récuserait, que, en quelque sorte, énormément de... Comment dire, que l'existence humaine soit cadastrée par des horizons qui ont force d'appel et qui, de proche en proche... Alors, évidemment, on ne va pas nécessairement s'appeler Michel Foucault et dire, voilà, il y a un ensemble de règles, puis il y a une discipline des corps, puis il y a des agents pour la faire respecter, puis, enfin, on ne va pas nécessairement faire une architecture de pouvoir, c'est pas ça, mais on va dire qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas... Tu es d'accord? S'il n'y a pas cette espèce de commande, voilà. Alors, on peut le dire de façon plus ou moins hostile, ou au contraire, l'accueillir. Deleuze, au début du chapitre 2 ou 3 d'Une Plateau, c'est le langage, c'est rigmo d'ordre. Voilà, donc... ça commence comme ça. Il n'en fait pas grand usage après de cette espèce de slogan. Mais bon, voilà, on voit qu'on peut accueillir ça positivement
Et dans ce type de philosophie, tu en fais même le sine qua non du sens. Il n'y a pas de sens si... Alors, naturellement, tout le monde ne répond pas aux mêmes sollicitants. Il y a crise, on se dispute, etc. On est indigne des sollicitants, on est infidèle, on est maladroit, on ne s'entend pas sur ce qu'il faut faire, etc. Mais il y a cette idée que notre rapport au signe passe presque comme... Pour qui est signe, c'est presque comme une enquête transcendantale, au sens de Kant. C'est quand il te dit, il y a des signes et on se comprend et on y répond. Et bien, pour que ce soit possible, il te monte un raisonnement dans lequel il faut qu'il y ait quelque chose comme du sens en tant que commande et demande. Mais ce n'est pas du sens en tant que positivité ou détermination. C'est un sens en tant que demande. Et donc, il y a une demande, ça a le caractère d'une demande, c'est presque une modalité pure, comme ça, mais qui s'annonce. Alors, il y a quand même l'idée que ça s'annonce. Donc, ça prend visage, ça prend tournure, etc. Et donc, il y a une énigme ou une commande à laquelle il faut répondre. Et dans laquelle se superpose de façon un peu trouble, je dois dire, à la fois une sorte de demande ou d'exigence de l'autre, telle que peint dans la figure lévinassienne de l'autrui, du visage et peut-être de la trace aussi, et puis cette espèce de sollicitant déjà quasiment sémiotique, à peine qui est le début, la lancée du sémiotique, mais d'un sémiotique qui se sait tenu par un amont pour lequel d'autres signes devront être éternellement trouvés, bien sûr, mais qui n'est pas uniquement... Donc il n'y a pas d'immanence. Et donc les lois, en quelque sorte, s'il y en a, du déferlement et du traitement du commerce des signes, ne sont pas des lois au sens de bonne nature, ni des lois au sens d'un plan structural ou des choses comme ça, parce qu'elles sont d'abord des lois, comme des tables de la loi sous une demande. Et c'est très différent. Et donc même s'il y a une observance de ces lois, dans une grammaire ou dans une observance religieuse, je ne sais pas quoi, ça a ce même caractère. On dit que ça a ce même caractère. Et s'il n'y avait pas... rien ne ferait sens. S'il n'y avait pas, dans la tapisserie de la vie, si tu veux, et des conduites, s'il n'y avait pas toujours quelques-uns qui, pour certains sollicitants, feraient un très gros travail de réponse compréhensive. Et qu'on n'est pas, heureusement, tous obligés de faire en même temps et simultanément sur tous les plans. Mais disons, de proche en proche, ça finit par... irriguer en quelque sorte tout le monde. Voilà, ça, en romançant un peu, c'est ce que ce dispositif me semble raconter. Alors, j'ai, dans la deuxième partie de mon exposé, j'ai fait une place à ça. Je laisse un point d'interrogation, je n'ai pas eu le temps de traiter, ni même de réfléchir assez. Mais il y avait un autre truc qui était que la tendance générale, c'était, d'une partie des références que j'ai privilégiées, c'était de dissoudre toute espèce de reconstruire l'éthique à partir d'une forme d'attentionnalité qui n'est pas thématisante ni typologisante, même si elle fait usage, parce qu'on est éventuellement érudit, compétent, on applique des règles, voilà, etc. Il y a des règles, il y a des procédures quand même, il y a des rituels, on fait pas n'importe quoi, mais il y a l'idée que l'éthique part d'une forme d'attention dont il faut arriver à décrire la texture, la teneur, la modalité. Et chacun de partir en quête d'un tableau de cette forme d'attention originaire qu'il distingue d'une recognition. Et voilà. Et donc, surtout pas, parce qu'ils ne veulent pas assigner. Voilà. Donc, c'est tout. Et donc, il y a cette. Voilà. Alors, oui, parce que dans cette forme d'attention, elle a l'air d'être trop ouverte et flottante, voilà. Tandis que l'autre est plus concentré. C'est l'appel énigmatique du visage. Mais d'accord. C'est le grand écart, là, que tu fais. Mais non, mais je me contente de dire qu'il y a deux directions dans lesquelles j'ai saisi une ouverture, une échappée par rapport à cette thématique des types et de la typification. Voilà. Et ça me semble correct de dire que ça, c'est deux. Et justement, je les ai entremêlés comme un jeu de cartes, mais je n'ai pas du tout dit que c'est la même chose. Merci.